Bon après-midi, chers internautes, chers Merci, merci. abonnés. Bon après-midi à Bienvenue tous. au Camtel Digital Talk, à l'acte 19 et au webinaire de Camtel qui vise à édifier les internautes que vous êtes sur les enjeux et les thématiques autour du digital. Pour cette édition, nous allons faire un remake de la thématique autour du digital et du 7e art. La thématique aujourd'hui que nous allons revisiter est distribution digitale est-elle efficace pour promouvoir le cinéma camerounais? Pour nous accompagner cet après-midi, nous avons un panel aujourd'hui, comme d'habitude, haute facture. Avec nous, nous avons celle-là que j'ai présentée la dernière fois, qui est une actrice aujourd'hui qui fait pignon sur rue, qui est l'une des rares actrices dont le film camerounais a été diffusé sur Netflix, dénommé Thérapie. Elle est avec nous cet après-midi. Elle est actrice et productrice, Lucie Memba-Boss. Bon après-midi. Salut tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être là. OK. À côté de Lucie, nous avons une autre dame lionne du monde cinématographique. Elle est scénariste et réalisatrice. Elle est surtout promotrice d'une cérémonie de awards des récompenses des acteurs du cinéma, nommée LFC Awards. Françoise est long avec nous cet après-midi. Bon après-midi, Françoise. Bonjour à tous, bon après-midi. Je suis ravie d'être là et merci pour cette invitation, Lionel. Je suis vraiment ravie. Merci beaucoup. Merci. À côté donc de ces lions du cinéma camerounais, nous avons aussi des lions. Nous avons un ancien de la diaspora, de l'Angleterre, de Londres, qui est entré il y a quelque temps. Il est cinéaste. L'année dernière, un de ses courts-métrages a été diffusé à écran noir. Il est en ce moment en train d'écrire deux longs-métrages. Il nous en parlera. Il est avec nous cet après-midi, Rodrigue Yakana. Bon après-midi, Rodrigue. Bon après-midi à tout le monde, merci beaucoup. Je pense que je vais m'exprimer en anglais. Thank you very much, Lionel, and everyone on Pas the de problème. panel. You know, I'm very happy to be here and I'm looking forward to the great conversations that we are going to have. OK. Thank you to be here. Thank you. Et enfin, le dernier lion que nous avons cet après-midi avec nous, c'est Fabrice Takumbo, cofondateur de Synaf Group, qu'on ne présente plus. Bon après-midi, Fabrice. Bon après-midi Lionel, bon après-midi à tout le monde. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Sans plus tarder, merci Fabrice. Nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons faire honneur aux dames pour débuter les hostilités. Comme d'habitude, notre webinaire aura deux temps. Une première partie donc où chacun des panélistes donnera son point de vue sur la thématique arrêtée. Et une deuxième partie où nous prendrons quelques questions de vous, chers abonnés, chers internautes, auxquelles les panélistes prêteront et apporteront quelques questions, quelques réponses à vos questions. Bon, sans plus tarder, la distribution digitale est-elle efficace pour promouvoir le cinéma camerounais? Nous avons vu dernièrement Thérapie, un film dont Lucie Memba était actrice, qui a fait le buzz sur la toile, sur le digital, parce qu'il a été diffusé sur Netflix. Lucie Memba, quel est ton point de vue par rapport à cette thématique-là? Toi, en tant qu'actrice, en tant que productrice, est-ce que la distribution digitale ou le digital de manière générale peut aider à promouvoir le cinéma camerounais? Tu as la parole. Merci Lionel. C'est important tout d'abord de situer dans le contexte de notre cinéma camerounais qui est, on va dire, un peu en difficulté ou alors qui est pas ou alors très peu structuré. Et c'est dans ce contexte-là que l'apport du digital pourrait être soit bien ou alors apporter aussi certains inconvénients. Donc, je penserais tout simplement que pour un départ, c'est l'apport du digital dans notre cinéma a permis tout de go de redynamiser tous les maillons du secteur du cinéma.
Et donc, le secteur de la production, plus précisément, à mon avis, est le secteur qui a le plus bénéficié de cet apport digital-là, parce qu'on a, on va reconnaître que cela a réduit énormément le coût de production, parce qu'on on remarque bien qu'avec la miniaturisation de tout, on a pu apporter des gros casques, des grosses caméras et autres, et puis c'est plus facile de se déplacer. Et donc, du coup, je pense sincèrement que la production, si on compte tous les secteurs, c'est la production qui bénéficie jusqu'à présent beaucoup plus de cet apport du digital-là. Parce qu'on va dire, en 2000, lorsque le digital arrive au Cameroun, on est dans un cinéma qui est très, très bancal, qui a du mal à se positionner, qui a même du mal à se réaliser même. Et donc, du coup, cette arrivée-là a aussi permis aux jeunes autodidactes de promouvoir le cinéma camerounais, parce que là, ce sont des personnes ce sont des cinéastes qui ne sont pas allés dans des écoles de cinéma, mais qui, à partir même d'un simple téléphone, arrivent à faire de grandes œuvres. Et la preuve aussi, c'est que dans le monde aujourd'hui, il y a des festivals qui mettent en avant justement tous ces films-là qui ont été tournés uniquement à partir d'un téléphone. Donc, du coup, dans notre cinéma, vu que la production a été réduite, ça a permis aussi à travers ces téléphones-là ou à des petits smartphones de faire du cinéma et du bon cinéma, du beau et du bon à la fois. Et il faut aussi reconnaître que en termes de production, non seulement les coûts ont été réduits, mais aussi sur le plan de la distribution, ça n'a pris un coup. Aussi bien ça a été favorable sur le plan de la distribution, parce qu'on reconnaît que c'est plus facile de transférer les données et autres, mais en même temps, sur l'exploitation du cinéma en salle, ça a causé énormément un frein, parce qu'il faut reconnaître qu'au Cameroun, les salles de cinéma ont du mal à vivre par rapport à la diffusion des films locaux ou camerounais, mais je pense que c'est beaucoup plus à partir des films internationaux, tout simplement parce que la piraterie en a profité avec le digital pour défavoriser justement cette diffusion des films en salle et entre autres les films camerounais. Mais reconnaissons-le, une belle œuvre ne doit pas rester dans un placard, c'est pour être distribué, c'est pour aller vers les cinéphiles. Et si jusqu'aujourd'hui on arrive à se demander les films camerounais, où est-ce qu'on va les regarder? C'est là justement où l'apport du digital a apporté un plus. Aujourd'hui, on a Vouri TV, on a Cinar et autres plateformes, VOD et autres, qui permettent à des Camerounais de lambda, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de pouvoir regarder des films camerounais. Et sur le plan international aussi, il y a beaucoup d'Africains de la diaspora qui ont envie de revivre un peu leur histoire à travers les films camerounais. Et ce n'est qu'à travers le digital qu'ils peuvent vivre cela grâce à nos œuvres, aux œuvres camerounaises. Et du coup, un film qui a été tourné en langue locale a la possibilité d'être vu en d'autres langues. Il suffit de sous-titrer ou alors d'interpréter différemment. Et puis, on peut le regarder, même que ce soit en portugais, en chinois et autres. Donc, c'est un gros avantage pour notre cinéma camerounais qu'il ne faut pas négliger. Donc, je vais d'abord m'arrêter là et puis après, je pourrai rentrer un peu plus dans les détails. OK. Merci, Lucie. En tant que professionnelle du domaine et productrice, ton avis compte, ton avis intéressant dans la mesure où, certes, il y a aujourd'hui une sorte de combat entre le digital et ce qui se fait de manière physique, notamment tout ce qui est ça, le cinéma, mais c'est une opportunité, c'est une aubaine aussi pour les producteurs de voir leurs œuvres être connues au-delà des frontières, au-delà des continents. Ça m'amène à passer la parole à Françoise Elon, qui est scénariste et qui, chaque moment, a travaillé comme consultante ou à écran noir. Françoise Elon, ton point de vue sur la thématique, la distribution digitale peut-elle être efficace pour promouvoir le cinéma? Alors déjà, je n'étais pas simplement consultante aux écrans noirs, j'étais programmatrice pendant 4 ans. Je crois que c'est autre chose. En tout cas, je pense que Lucie a dit énormément de choses, sont très importantes, énormément de choses qu'on doit tous retenir. Et ce qui me plaît dans ce qu'a dit Lucie, c'est qu'elle s'est vraiment basée sur ce qui est positif. Parce que, vous savez, moi, au Cameroun, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on adore nous poser des questions sur ce qui ne va pas. Alors, est-ce qu'on nous pose des questions sur ce qui marche? Et là, j'ai l'impression qu'avec cette thématique, effectivement, on part dans quelque chose où on essaie de voir le verre à moitié plein, en tout cas. Donc, pour ça, déjà, pour cette initiative, merci, Lionel. Je trouve que c'est une très belle initiative. Ensuite, alors, mon avis sur la thématique, moi, je trouve que Lucie a dit beaucoup de choses.
Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que le digital a emmené tout le monde à se dire qu'on a énormément de talent chez nous, en réalité. Ça veut dire que le digital a permis à ce qu'aujourd'hui, on puisse découvrir de nouveaux talents. On puisse savoir que, bah oui, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir une école de cinéma qui coûte un bras, qui n'ont pas, mais ils ont d'autres moyens d'apprendre, ils ont d'autres moyens de faire des films, peut-être pas qui va rivaliser avec Hollywood, mais ils ont des histoires à raconter. Et je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois, on perd toujours le cap. On se demande toujours, est-ce qu'il a fait le beau plan en caméra? Est-ce qu'il a fait le joli travelling? Est-ce que... Voilà les questions qu'on se pose. On ne se dit pas, est-ce que l'histoire qu'il nous a racontée, est-ce que l'histoire a un seul temps? Alors que ce qu'on doit regarder à chaque fois, ce qu'on doit tout le temps regarder, c'est quelles sont les histoires qu'on veut nous raconter. On a beaucoup de critiques qu'on fait aussi sur les contenus, parce que de plus en plus, le fait qu'il y ait le digital, bah oui, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde fait comme il veut, il n'y a plus de règles, etc., etc. Donc, ça a évidemment des inconvénients, parce que nous, bon, ceux qui sont les artistes, ils vont vous dire, bah, ça ne respecte pas la règle de l'art. Et je les comprends, parce qu'en même temps, c'est important de respecter cette règle de l'art. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où tout bouge, où tout est très mouvant en réalité. Mais en même temps, ce côté mouvant ne doit pas nous faire oublier la base. Être mouvant ne veut pas dire faire n'importe quoi, vous voyez. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a tout ça qui se mélange. Quand vous parlez à des personnes, vous avez peut-être 20 ans de métier, vous parlez à des personnes qui tiennent une caméra depuis 2 ans, ils vont avoir l'impression de faire la même chose que vous. Non, on ne fait pas la même chose, mais ça n'empêche pas que je respecte ce que tu fais et tu respectes ce que je fais. Donc, est-ce que le digital a apporté, en mon sens, en tout cas négatif, je vais quand même aller à contre-pied et dire que ça a apporté négatif. Ça a apporté que Rome ne s'est pas construit. Ça a mis beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec le digital, on grille toutes les étapes. Oui, mais on peut faire. Oui, mais. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour qu'on raconte des histoires. Mais ça ne doit pas nous empêcher de repartir dans la base. Parce que vous savez, quand on veut faire les choses, il faut d'abord savoir d'où les choses sont parties pour que ça crée réellement une histoire en réalité. Parce qu'on ne peut pas... Bon, quitter de là, sauter de l'autre côté et dire oui, bon, comme j'ai maintenant la caméra digitale ou comme maintenant j'ai les plateformes qui montrent mon film, tant que je bricole et tant que les gens disent que ils mettent des likes, dans 10 ans, ton film sera où? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que dans 10 ans, ton film sera impactant? Ce que tu as montré aux gens, est-ce que ça a changé leur vie? Quand je veux à chaque fois dire aux gens la différence entre la télé et le cinéma, je leur dis toujours que la télé, c'est comme deux personnes qui vous invitent à déjeuner ou à dîner. L'autre, quand il fait son menu, il se fiche de savoir si Lucie et François s'entendent bien. Il les met à la même table. Quand il fait sa nourriture, il faut qu'il y ait le sel, le poivre, il faut qu'il y ait le cube dedans. Quand c'est bon. Et quand tu manges, il aimerait bien que tu reviennes chaque jour manger. Que tu le dises à quel point il a un cordon bleu, à quel point il faut que tu reviennes manger. Le cinéma, lui, il peut faire un repas pour une année, mais pendant toute cette année-là, ton repas lui est resté. Pendant toute cette année-là, comment il cuisine chez lui, il va changer sa façon de cuisiner. Il ne mettra pas le sel, il va équilibrer les saveurs, il va équilibrer les cuissons. Il va faire en sorte que ce plat ne soit pas juste bon, il va faire en sorte qu'il soit exceptionnel. Il faut se dire, il faut se rappeler que le cinéma dans certains pays a permis de créer des lois, a permis d'améliorer la condition de vie des gens, d'améliorer leur mode de vie, leur quotidien. Alors, oui, le digital, très bien, il n'y a aucun problème. Mais nos films sont où dans 10 ans? Ce que nous racontons, quel impact ça a sur nos spectateurs dans 10 ans? Donc moi, j'ai envie juste de dire aux personnes, et je vais conclure là-dessus pour cette réponse, c'est de dire, le digital, je suis totalement pour. Je suis contente qu'on puisse effectivement faire en sorte que beaucoup de gens puissent raconter des histoires qui, même si elles sont bancales, nous reconnectent, ne serait-ce que nous en tant qu'Africains, avec des histoires africaines. Mais en même temps, j'ai envie de leur dire, ça ne t'empêche pas de repartir à la base. Parce que oui, on veut être dans une plateforme de streaming, etc. Mais qu'est-ce qu'on sait de l'importance que c'est que de montrer son film dans une salle de cinéma? Qu'est-ce qu'on vend quand on va au cinéma, dans une salle? On vend l'expérience. Chez vous, vos marmites brûlent, etc. Vous ratez la moitié de l'histoire. Alors que quand vous allez dans une salle de cinéma, vous prenez, vous vous dites, pendant 1h30,
J'arrête tout. Pendant 1h30, je laisse Lucie Memba avec le char des dieux m'emmener dans son univers. Et là, oui, je vis une expérience. Là, oui, le film a un impact sur moi et peut permettre que ma vie change, que mon quotidien change, que mon regard sur l'autre qui était peut-être maladroit, xénophobe, raciste, il change. Alors, qu'est-ce que nos films, tout de suite propulsés dans les plateformes digitales, apportent dans notre quotidien? Moi, c'est la grande question que j'ai envie de poser, en fait. Donc, je repose une question en réalité, mon cher Lionel. Merci, Françoise. Et voilà qui est clair. Je veux dire, tu n'es pas contre le digital, l'apport du digital, mais derrière, c'est de pouvoir s'assurer que les standards soient respectés, au-delà des standards, que la qualité même du contenu qui soit adapté sur le plan local. Je prends l'exemple de Wakanda qui a fait un succès mondial, mais en fait, Wakanda, derrière, c'est l'histoire qui a puisé ses origines vers notre continent. Donc aujourd'hui, c'est de créer des contenus originaux qui parlent et qui vendent nos réalités au-delà de nos frontières. Et derrière, de respecter les standards. Parce que, et un réel impact dans les histoires, en fait. Exactement. Voilà. Ça m'amène à passer la parole à Rodrigue, avec qui très souvent on a ce débat-là sur la qualité des contenus. Et je sais que c'est un des volets sur lequel il est un peu focus. Rodrigue, la distribution digitale peut être efficace pour promouvoir le cinéma camerounais. Ton point de vue nous intéresse. Merci, Lionel. Merci à tout le monde d'être là, à Lucie, à Françoise et à Fabrice. Pour moi, personnellement, je vais rentrer un peu en arrière. Je pense que le digital est important pour nous déjà pour un, parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas la même historique, disons, pour quand on parle de cinéma, avec ceux qui ont 120 ans. Notre cinéma, on doit encore le structurer comme Lucie a dit. On doit encore travailler sur la qualité comme Françoise en parlait. Dans tout ça, je pense toujours que le plus on produit, le mieux on a l'opportunité de, comment je vais dire ça, de s'analyser, de s'auto-critiquer déjà pour pouvoir voir les erreurs qu'on a faites sur le premier, sur le deuxième, et voir comment on les améliore sur le quatrième, cinquième. Donc, ce que moi, je pense, c'est que moi, je suis pour la démocratisation du cinéma. Donc, tout le monde doit faire du cinéma, que tu sois allé à l'école ou pas. Je pense que si tout le monde est un peu cinéphile, s'asseoir devant une télé, demander pourquoi cet homme passe par là, il sort par là, pourquoi te permet de comprendre un peu plus. Et je pense que le plus on a les plateformes YouTube, je vais prendre l'exemple d'un acteur, Ulrich Takam, par exemple. Parlant d'une économie, nous tous, on sait comment le Cameroun est compliqué du côté des jeunes pour pouvoir avoir un boulot. Voilà quelqu'un qui a quitté de l'université à une radio au stand-up à YouTube. Et aujourd'hui, c'est ça qui le... Comment je vais dire ça? Il est brand ambassador, il fait les spectacles, tout ça. Et c'est grâce au digital que ça a pu arriver. Et je pense que Lucie, avec son film Thérapie sur Netflix, a accentué ça pour Fisherman Diaries. Tout ça pour montrer que... parce que moi, je ne sais pas où j'aurais vu ce film, par exemple. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est sorti, mais j'ai vu les affiches et j'ai vu que c'était sur Netflix. Et comme j'ai Netflix, ça m'a fait pouvoir regarder ce film. Même chose avec François. Je me rappelle quand son film Waka était sorti. C'était sur une plateforme qu'on appelait Filmdou. J'ai jamais entendu parler de Filmdou. Mais j'ai vu Waka sur Filmdou à Londres. Et ça fait que je ne sais pas ce qui se serait passé si cette plateforme n'existait pas ou nous donner la possibilité de pouvoir voir les films de l'un et l'autre. Sinon, je viens d'en entendre parler, ça fait au moins 8 mois. Et... bon, je ne connais pas trop comment ça se passe ici au Cameroun, mais je pense que
à notre niveau, ce que moi j'ai pu observer, c'est que les gens comme Françoise, les gens comme Lucie, ils vont, elles ou ils, hommes comme femmes, non confondus, vont trouver un moyen pour ne pas nager dans la même rivière ou dans la même source que tout le monde et mettre leur produit à une certaine échelle qui va motiver ceux qui viennent derrière nous à se demander que, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut... Comment on peut faire compétir avec ça? Et c'est même pas compétir méchamment, mais c'est juste se rappeler que la première des choses, comme je dis toujours, quand on parle de compétition au cinéma, c'est pas le Cameroun qui compte. On a tout un continent de 54 pays. Tu peux faire un film qui passe seulement en Afrique de l'Ouest. Et ça passe. Sinaf, par exemple, je ne sais pas, j'entends, je vois les affiches sur Internet, mais moi, j'aimerais m'abonner, j'aimerais qu'on me martèle un peu plus ces publicités. Là, je puisse me rappeler que ça existe, là, je peux m'abonner à ça. Je ne vois pas pourquoi j'aurais Netflix et je n'ai pas Sinaf sur mon téléphone. Okay. Et je suis en plein Cameroun, quoi. Okay. Donc, moi, je pense que c'est le digital, c'est la meilleure chose qui aurait pu nous arriver. OK. Merci, Rodrigue. Ce qu'on retient, ce que tu dis en substance, c'est qu'il faut le digital. Parce que plus on est fou, plus on s'améliore, plus on fait des erreurs, plus on s'inspire d'autres. Tu as parlé de Lucille, Françoise, qui ont certains niveaux, certaines qualités en termes de contenu, et qui peut inspirer d'autres. D'autres, peut-être qui n'ont pas accès au cinéma, il n'y en a plus au Cameroun. Mm-hmm. Par rapport aux plateformes comme Netflix et autres peuvent profiter pour découvrir ces films-là. Mais derrière, c'est aussi question de promouvoir les plateformes locales, comme Voyez TV, comme Sinaf, qui derrière mettraient plus de contenus locaux plutôt que Netflix et autres qui sont plus sélectifs par rapport à ce contenu-là. Ça m'amène à passer la parole directement à Fabrice, qui a écouté tout le monde, les techniciens du contenu cinématographique. Toi, en tant que, en étant en amont, parce que derrière Sinaf, c'est vraiment promouvoir le soutien au cinéma camerounais via la plateforme de streaming et via d'autres moyens. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette thématique-là? OK. Merci Lionel de m'avoir passé la parole. Déjà, je remercie aussi Françoise, Lucie et Rodrigue pour leur intervention. Concernant la distribution cinématographique via le digital, je pense que Sinaf est l'exemple même à prendre ici. Parce que Sinaf, c'est une plateforme qui naît en ligne, qui grandit en ligne et qui va prospérer en ligne. Parce que nous commençons par déjà de la promotion des acteurs à travers notre page Facebook. C'est comme ça que nous construisons une plateforme. Et derrière à travers cette plateforme, nous réussissons à permettre aux différents producteurs de gagner un peu plus que ce qu'ils vont gagner avant. Parce que nous ne sommes que... pour eux, un nouveau canal par lequel ils peuvent encore gagner de l'argent. Et c'est tout ce système qui nous amène à faire par la suite de la distribution cinématographique pour d'autres plateformes, pour d'autres canaux cinématographiques d'exploitation et finalement de la production cinématographique. Nous avons collaboré avec Muriel Blanche sur le film Aline, avec Ebenezer Kipombia, dans la série Madame et Monsieur pour la saison 1, pour la saison 2. Et entre autres, nous avons aussi fait des petits trucs comme la fille de Mamiton. Mais tout ceci nous a permis de comprendre et de tester le marché, de comprendre que voici la réaction du marché par rapport à telle action. Et c'est ça qui nous pousse donc à lancer le nouveau projet que nous allons entamer d'ici peu, qui sera la production. Je vais bien dire de 37 films, de 37 séries et pour le 237. Donc, ça, c'est un projet baptisé 37 qui va voir le jour dans quelques mois en coulisses. Les scénarios sont en train de s'écrire en ce moment et il y a pas mal de choses qui se profilent. Donc, l'impact que le digital a sur le cinéma, je vais d'abord dire directement, visiblement, c'est à deux niveaux. Premièrement, déjà, la manière d'accéder au contenu, la manière d'accéder au cinéma. Parce que avant,
Le digital vient créer ce qu'on appelle de la vidéo à la demande, c'est-à-dire à travers n'importe quelle interface, à travers n'importe quel appareil, que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur ou autre chose, une télévision smart, vous pouvez demander un contenu à l'instant voulu et vous obtenez ce contenu, ce qui vient totalement changer les habitudes que nous avions précédemment, qui étaient plus précisément les chaînes de télévision qui allaient diffuser des films ou des séries à une fréquence qui était fixée par eux. Donc, s'ils disent que, je pense que comme la plupart des chaînes de télévision, à 19h30, il y a telle série qui va passer, ou le week-end, il y a tel film qui va passer. C'est-à-dire, vous, si vous voulez bénéficier, si vous voulez regarder ce contenu, premièrement, il faut déjà avoir disposé d'une télévision uniquement et pas autre chose. Deuxièmement, il faut, sur votre télévision, pouvoir capter le canal de cette chaîne de télévision. Et troisièmement, il faut être disponible à cette heure-là, précisément. Voilà, ce qui complique tout, parce que ce n'est pas forcément le programme de tout le monde. Mais par contre, vous allez voir, si on va revenir au niveau de la diaspora, qui, si on devait caler que dans l'ancien temps, ou alors avec les anciens moyens, c'est-à-dire projection cinématographique ou diffusion dans des chaînes de télévision, la diaspora serait totalement coupée de nos cultures, de notre cinéma, et ça ne pourrait pas aller plus loin. Parce que c'est pas forcément, les chaînes de télévision ne sont pas forcément accessibles, et ce serait compliqué d'organiser des projections cinématographiques dans tous les pays, ou alors ce serait compliqué pour toute la diaspora de retourner au pays pour regarder une projection cinématographique, d'où on comprend que même dans la manière d'accéder au contenu, le digital a tout sa place. Donc, le digital vient révolutionner cette manière d'accéder au contenu. Aujourd'hui, nous avons, le digital est venu créer pour le cinéma ce qu'on appelle le VOD, qui est la vidéo à la demande. Et pour le VOD, nous avons trois types de VOD, c'est-à-dire on peut accéder au contenu, qui dépend de la manière d'accéder au contenu. On peut accéder au contenu par un abonnement mensuel, comme sur CINAF, vous inscrivez ou téléchargez l'application, ou sur le site internet, vous payez un abonnement et vous avez accès aux différents contenus, aux contenus de qualité. On peut accéder au contenu librement à travers du AVOD, c'est ce qu'on appelle du AVOD, comme on le fait sur YouTube. C'est-à-dire le contenu est plutôt rémunéré par des spots publicitaires que YouTube, la plateforme YouTube place dans le contenu. Bon, YouTube n'est pas la seule plateforme à le faire, mais c'est la plus connue en tout cas. On peut accéder au contenu par un paiement direct de la vidéo, c'est-à-dire comme nous le faisions avant, c'est le système que nous avons appliqué qui peut être VOD. Vous venez vous acheter un film et à votre voulu, vous pouvez regarder ce film, mais uniquement ce film. Donc, on comprend directement que ça change beaucoup de choses. Car une personne se situant en Angleterre, comme vous dites, ou ailleurs dans la diaspora, parce que croyez-moi, à travers notre plateforme, on constate qu'il y a des Camerounais partout. Si on va parler, on va prendre le cas uniquement du Cameroun. Parfois, il y a des personnes qui nous contactent à travers le service client et on doit taper sur Google pour savoir c'est quoi le code du pays parce qu'on n'a jamais entendu parler de ce pays. Donc, vous voyez bien que tous ces gens-là ont besoin non seulement d'être nourris de leur propre culture, mais aussi de pouvoir alimenter ce circuit économique, car le cinéma aussi, c'est un circuit économique. Un gouvernement ou un pays peut compter sur le cinéma pour se bâtir. Et en allant sur cette vision-là, on constate que le digital vient changer beaucoup de choses. CINAF, qui a vu le jour en 2019, n'était déjà pas là précédemment. Donc, ça veut dire que tous les producteurs, et je pense qu'en moyenne, un producteur sur deux au Cameroun, a forcément travaillé avec CINAF jusqu'à ce jour. Tous les producteurs d'une manière ou d'une autre, ont reçu de l'argent venant de CINAF, peut-être à travers l'achat de leur production. Voyez-vous, ça, c'est une nouvelle structure parmi tant d'autres qui naît et vient ramener quelque chose de plus au producteur. Parce que le producteur, déjà, il réussit à financer ses films, reste à savoir s'il s'en sortait ou pas. Mais aujourd'hui, nous venons l'amener quelque chose en plus. D'autres plateformes viennent l'amener quelque chose en plus. Au final, YouTube aussi vient l'amener quelque chose en plus. Ça a directement aussi un impact sur la production qui va être davantage de qualité. Il y aura beaucoup plus de production. N'importe qui va pouvoir se lancer. Rodrigo a pris un exemple qui était assez palpable de ceux qui peuvent de rien du tout. Et à travers YouTube, par exemple, gagner assez d'argent pour pouvoir impacter à leur niveau et contribuer à l'évolution du cinéma. Nous avons tellement de cas. C'est le digital qui a créé le concept de web-série, parce que sinon, avant, ça n'existait pas. Web-série, ça vient du web. Donc, vous voyez que
le cinéma, le digital a énormément d'impact. OK, ça, ce n'est que l'impact direct que le cinéma, que le digital a sur le cinéma. Maintenant, ce qui se passe indirectement, c'est à deux niveaux. Déjà, premièrement, nous avons la qualité des contenus qui sont directement améliorés parce que ça fait plus d'argent qui entre dans le circuit, vu que même ceux qui se trouvent à l'autre, à l'extrémité du monde, peuvent aussi contribuer à l'achat de ce contenu, des différents contenus. Nous voyons que les productions peuvent s'améliorer progressivement avec la qualité. Et nous savons bien que le cinéma, c'est un effet boomerang. C'est-à-dire quoi? Soit ça prend bien, soit un effet ventouse, je voulais dire. Soit ça prend bien, soit ça ne tient pas. Vous faites un truc qui est correct. 10 millions de personnes veulent le regarder, 100 millions de personnes veulent le regarder, 1 million de personnes veulent le regarder, ça ne change rien à votre production parce que vous l'avez déjà produit et vous gagnez juste plus d'argent. Si vous faites un truc qui n'est pas correct du tout, personne ne veut le regarder, mais vous avez déjà produit, donc vous perdez de l'argent. Donc, il va de ce pas. Pour les producteurs, on comprend directement que c'est très important de produire quelque chose de qualité. Mais produire quelque chose de qualité, c'est aussi réussir à briser les limites financières. Et le digital contribue énormément à ses revenus. Donc, le digital a un impact vraiment fulgurant sur la distribution cinématographique. Et si on ne veut pas, ici, je ne veux pas encore parler d'autres choses telles que la promotion des contenus en eux-mêmes ou la visibilité des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des acteurs qui sont des influenceurs aujourd'hui qui ont pour métier acteur, mais à travers cette image qui permet de dégager dans les films et tout, peuvent gagner des contrats publicitaires, peuvent gagner en popularité et se rémunérer d'autres manières, et ça fait des métiers secondaires comme cela qui sont toujours créés par le digital. Donc pour moi, le digital, ça amène beaucoup de nouveautés, ça amène beaucoup de possibilités. Nous devons plutôt nous réinventer pour pouvoir profiter au maximum de ces possibilités-là. Ok, merci Fabrice. Je pense que venant d'un acteur même de la distribution digitale, je pense que c'est clair. Je pense que les internautes, les abonnés qui nous suivent ont bien perçu l'opportunité qu'il y a derrière le digital, l'opportunité qu'il y a derrière le travail avec des plateformes 100% locales qui comprennent nos attentes comme CINAF. Avant qu'on ne prenne quelques questions de nos abonnés, j'aimerais faire encore un dernier tour de table. En maintenant, focus maintenant sur les activités propres de chacun. En commençant par Lucie. Lucie, aujourd'hui, tu avais fait la une il y a quelques mois en recevant un prix du CAMIF, si j'ai bonne mémoire. Et derrière, on voit sur la toile locaux, Muriel Blanche, dans un film apparemment qui est en gestation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les projets Lucie Memba actuellement? Actuellement, Lucie Memba travaille sur deux projets plus précisément. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je continue de travailler sur la post-production et la distribution du film Chariots of the God qui, heureusement, a reçu déjà un prix au CAMIF récemment. Et parallèlement, je travaille sur le film Prédiction, où je suis à la fois coproductrice et actrice principale, qui va certainement sortir. Les deux vont certainement sortir avant la fin de l'année. En termes de sortie de film, le tournage de Prédiction, moi j'ai terminé mes scènes, vont s'achever dans quelques jours. Et là, on pourra travailler sur la sortie du film également. Donc, les cinéphiles pourraient bien se préparer à recevoir deux films en fin d'année. Ouais. Même pas, grosse. Et ce sera avec beaucoup de plaisir, j'espère qu'ils vont aimer ces deux films-là, qui sont assez touchants à mon avis, qui beaucoup vont s'y retrouver, surtout les rôles que j'interprète dans ces films-là sont des rôles assez forts pour les femmes. Et quand je pense aussi aux thèmes, ce sont des thèmes un peu qui se ressemblent, mais vraiment exposés de manière différente, vu que c'est travaillé aussi sur des lignes artistiques différentes avec deux réalisateurs différents. Chariots of the God est réalisé par Anyori Nimbom, qui est aussi co-réalisateur du film Thérapie qui est passé sur Netflix. Okay. Et donc, Prédiction est réalisé par le jeune réalisateur Salem Kedi, bourré de talent, et très ambitieux aussi, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur ce projet-là. Et je pense que ces deux films que j'invite vraiment le public à regarder à la sortie, parce que je sais qu'ils vont être touchés. Je sais que beaucoup vont s'identifier à ces personnages qu'on retrouvera dans les deux films-là, et à cette quête et à cette histoire, et comment ça a été monté.
Donc voilà les deux projets phares qui sont en train d'arriver. On travaille en ce moment. Ça veut dire qu'il faudra que tout le monde pécharge son SINAF pour pouvoir suivre les oui, évidemment. Sorties de Simon Babos. Hein, Fabrice, c'est clair, ça c'est clair. Ok. Non, c'est clair, on va tout faire pour que le film aille vraiment retrouver les cinéphiles, où qu'ils soient. Ok. À côté de ça, je vais passer la parole à Françoise qui est la promotrice aussi quand même d'une cérémonie de récompense. Donc derrière, elle passe la parole à l'acte. Elle veut promouvoir la qualité et le contenu. Françoise, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'FC que tu organises et quel est le but visé derrière? Merci Lionel. Écoute, on va parler de LFC Awards. Je salue Fabrice de Sinaf. Il a dit beaucoup de choses. J'aurais adoré réagir à ce qu'il disait, mais bon, ce sera pour une autre fois. On aura peut-être l'occasion d'échanger. Et en tout cas, je n'ai beaucoup appris. Bon, je savais déjà je sais ce que c'est que de la VOD, etc. Mais j'avais beaucoup de questions pour Fabrice. Et bon, laissons tomber. On va parler LFC Awards. On va y passer la journée parce que moi, j'avais une grande question à poser à Fabrice. Mais bon. Alors, LFC Awards. Vous savez, moi, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui voit toujours la beauté dans tout. Je suis quelqu'un qui est très, très positif de nature et qui aime quand on célèbre ce qu'on fait de bien dans ce qu'on fait. Voilà, ça veut dire, je ne sais pas, j'ai ça naturellement. J'aime promouvoir, tout simplement. Je rêvais d'avoir un magazine quand j'étais petite. Au début, j'ai créé un magazine quand j'étais au lycée. Ça s'appelait Haute Culture. Un petit jeu de mots avec haute couture. Et en fait, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce que je peux faire, même quand je suis dans tous mes états et que ça ne va pas? Je voulais quelque chose que je puisse faire vraiment à n'importe... Enfin, qui ne me freinerait jamais. Et je me suis dit, je suis une passionnée de cinéma. Ça, c'était un fait. Maintenant, quel cinéma? Parce que c'est tellement vaste, vous voyez. Et puis, je savais que je suis une passionnée de cinéma fait par les Camerounais, du cinéma camerounais. Et j'ai tout de suite su que je m'ennuierais jamais, mais que cette passion-là pour le cinéma camerounais ne s'éteindrait jamais. Et que peu importe que ma journée se soit bien passée ou non, j'arriverai toujours à faire ce que j'ai à faire. Concernant mon blog, concernant ma cérémonie, concernant mon blog. Le blog est né en 2016 sur mon téléphone, sur mon smartphone. J'ai créé le blog en ligne comme ça. Et puis, j'ai constaté quelque chose qui m'a énormément frappée, c'est que beaucoup de gens lisaient le blog. Et surtout, la plus belle surprise que j'ai eue avec le blog, avec les statistiques, c'est de me rendre compte que les premiers lecteurs de LFC étaient des Camerounais du Cameroun. Et là, je me suis dit, OK, parce que normalement, vous savez, quand vous créez des plateformes, par exemple, SINAF parlait tout à l'heure de la diaspora est très nostalgique. Dès que vous créez quelque chose, ils s'emparent de ça, vous comprenez? Parce que oui, c'est quelque chose qui les reconnecte au pays, ça, le pays leur manque et tout. Et là, donc, j'avais peur, en fait, par peur, entre guillemets, que oui, ce soit une plateforme de diaspora et que même les Camerounais eux-mêmes ne soient pas vraiment au courant de ce qui s'y passe. Mais non, ce n'est pas ce qui se passait. Il se passait qu'il y avait plus de 60 pays qui lisaient LFC et que dans les 60 pays, le Cameroun était en tête et de 10 000 lecteurs par rapport au second pays qui était effectivement la France, ensuite l'Allemagne, les États-Unis, etc. Et même des pays que je ne peux même pas situer sur une carte. Et là, je me suis dit, oui, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose que je ne m'attendais pas à voir qui est en train de se passer. Et c'est là que j'ai commencé à faire en sorte que le blog devienne vraiment une communion entre le public. Je suis devenue passionnée d'analyser le public. Ce public-là qu'on cherche tous tellement avec tant de hargne. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a envie de voir? Etc. Et puis... le blog a commencé à vraiment prendre une certaine ampleur, ben, je me suis dit, on a des festivals, et de plus en plus de festivals, et c'est super parce que ça multiplie les plateformes où on peut voir les films.
des plateformes comme Synaf, comme Vouri, on a encore d'autres moyens d'avoir accès. Parce que le grand problème, et là je suis d'accord avec Fabrice, que tout le monde a, c'est où est-ce que, et puis Rodrigue aussi qui l'a dit très bien, où est-ce qu'on voit nos films? Comment est-ce qu'on y a accès, etc., etc. Ça, c'est vraiment le grand combat. Et les cinéphiles, ils ont la flemme de chercher, hein, pour vous parler clairement. Ils ne veulent pas chercher. Ils veulent qu'on leur dise que c'est là. Vous voyez, ils ne veulent pas simplement qu'on leur dise. Parce qu'ils n'ont pas la même culture que l'Europe ou quoi que ce soit. En Europe, quand vous aimez le cinéma, personne n'a besoin de vous dire où c'est. Ils vont aller chercher eux-mêmes. Ils vont fouiller ciel et terre pour trouver le film qu'ils ont envie de voir. Mais en Afrique, on n'est pas comme ça. En Afrique, on aime la proximité. On aime être connecté avec, il n'y a qu'à voir nos stars. Nos stars sont obligés de répondre à tous les commentaires qu'on leur poste parce que c'est ça qui fait en sorte qu'ils créent une relation avec leur public. Et moi, en réalité, je me suis dit, j'ai envie d'être complémentaire à tous ces festivals. Il y a Écran Noir, il y a Yara, il y a Camif, etc. Il y a de plus en plus de festivals. Mais moi, je ne suis pas un festival, je suis une cérémonie de récompense. Ça veut dire que pour que vous soyez éligible chez moi, il faut qu'on vous ait vu chez eux. Vous comprenez? Okay, si votre film n'a jamais été vu nulle part, vous n'êtes pas éligible chez moi. Parce que personne ne l'a vu. Moi, je ne fais pas de diffusion de films. Je ne fais pas de projection. Moi, je suis là pour dire tous les films qui sont passés dans tous les salles, les festivals, etc., etc., les meilleurs vont se regrouper dans une compétition qui est ma cérémonie. C'est ça l'idée, en fait, de LFC Awards. Okay. Mais LFC Awards a une particularité. C'est toujours dans cette communion entre le public et nos films, parce que c'est toujours la grande question. La particularité de LFC Awards, c'est au niveau de son jury. Le jury est constitué de cinéphiles, de cinéastes, de journalistes culturels, de critiques de cinéma, de toute personne liée à la culture. Je peux appeler Fabrice et lui dire, écoute, est-ce que tu ne veux pas intégrer le jury de LFC Awards? C'est comme une académie, en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on apprenne les uns des autres. Pourquoi il y a un gap si grand entre la critique qui adore un film et le public qui déteste ce film? Comment un public va adorer un film et la critique, elle, va la descendre? Quand on est un journaliste culturel, on est censé savoir écrire un papier sur un film. Vous comprenez? Quand on est... Voilà, je veux que toutes ces personnes qui ont des gaps de vision là se comprennent les uns les autres, qu'ils se réunissent le temps de la cérémonie pour prendre une décision en se mettant d'accord sur tel film ou tel autre film. Voilà, donc c'est vraiment une communion dans tous les sens du terme. Et c'est aussi valoriser ces films-là. Vous savez que... Oui, pardon, vas-y, Lionel. Oui, je disais, aujourd'hui, la périodicité, c'est une fois par an, c'est... Oui, c'est annuel, en fait. C'est une cérémonie qui est annuelle. C'est un peu notre équivalent des Césars, notre équivalent des Oscars. C'est vraiment une récompense nationale. Nous, vous savez, dans des festivals, vous avez des fois des catégories, on va dire, catégorie Cameroun, Afrique centrale, internationale, étrangère. Donc, en fait, vous gardez en échelon. Moi, je vous dis que la meilleure catégorie, c'est la catégorie camerounaise. Vous comprenez? C'est là-bas que tout se passe, parce que c'est le Made in Boa, en fait. Donc, c'est comme les Césars. Ouais. Les Césars, c'est des films français. Et puis, il y a une catégorie internationale qui rassemble tout le monde entier. Les Oscars, c'est pareil. C'est des prix pour des films américains. Et il y a une seule catégorie. Et ben, je fais la même chose. Ça veut dire que moi, je suis national. Donc, je valorise le Cameroun. Et puis, dès bientôt, vous aurez une catégorie qui rassemblera le monde entier. On m'en dit, ils vont aller tous s'embrouiller là-bas dedans. Ok, super. Donc, voilà, donc super. C'est un peu ça l'idée. Okay. Voilà. LFC Awards, c'est valorisant. Vous savez, par exemple, je termine là-dessus, Lionel, quand on gagne un César, quand on gagne un Oscar, beaucoup de gens ne le savent pas, mais on ne gagne pas des chèques. On ne gagne pas un gros chèque ou une grosse valise d'argent. C'est la reconnaissance. C'est toute la reconnaissance, tout l'honneur qu'il y a là-dedans. Et c'est ça qui fait en sorte que... Vous savez, moi, il y a des chaînes aujourd'hui qui m'appellent en disant « Est-ce que telle personne a gagné un LFC Awards déjà ?» Je dis non, pas encore, mais il a été nommé. Et ça le valorise, en fait. Vous comprenez? Ça veut dire que si on voulait le payer 800 000, on va peut-être le payer 1 million 5. C'est aussi un outil de communication. Exactement. C'est valorisé. C'est valorisé en tout point et qu'on gagne en crédibilité. Ça veut dire que quand on va quelque part, moi, l'ambition de LFC Awards, je vais vous le dire à tous, c'est que le jour où Lucie Memba gagne le LFC Awards ou la meilleure actrice, que tous les autres pays se l'arrachent, que ça lui ouvre de grandes portes, que quand on gagne le meilleur film, le LFC Awards du meilleur film, que quand vous allez à l'OIF, vous allez à toutes les subventions-là, que ce soit garant que vous êtes quelqu'un qui fait des choses bien,
Donc, du coup, on vous donne cet argent sans pas trop réfléchir, mais on vous fait confiance. Voilà, c'est le gain de confiance que je veux gagner avec LFC Awards pour tout notre cinéma. OK, merci Françoise. LFC Awards, c'est notre cérémonie de récompense à nous. On doit se l'approprier, on doit la promouvoir. Avant de donner la parole à Audrey pour un focus sur ces œuvres qui arrivent, j'aimerais quand même prendre les questions des abonnés. Si on peut avoir une série de deux questions par panéliste. Yvan? Oui, Lionel. Allô? Oui, oui. Il y a des questions pour nos bonjour panélistes. Bonjour à tous. Oui, il y a deux vagues de questions. On va commencer par la première. Je vais aller par les dames d'abord. Ouais. Lucie, une internaute dit « Oui, aujourd'hui, le cinéma camerounais est bon et beau, mais le digital n'est-il pas un frein dans la mesure où nos chaînes locales ne les montrent pas ?» Pour François. Tu peux répéter la question, Yvan, s'il te plaît ? Oui, aujourd'hui, le cinéma camerounais est bon et beau, mais le digital n'est-il pas un frein dans la mesure où nos chaînes locales ne les montrent pas ? Pour Françoise, à vous écouter, on dirait que le digital crée plutôt de l'anarchie dans l'évolution du 7e art. Ça, c'est pour les dames. Donc, elles peuvent déjà répondre. OK. Oui, je repasse cette internaute-là. C'est vrai que, reconnaissons que dans toutes les zones du Cameroun, tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux, aux VOD ou autres. Et ne sont focalisés que sur leur chaîne de télévision dans leur petit village là-bas. Ça, il faut le reconnaître. Et aussi, il faut préciser qu'il y a une grande partie de la population qui vit comme ça et qui n'a pas cette culture-là, un peu comme disait Françoise tout à l'heure, c'est une question de culture aussi. Beaucoup restent encore dans l'idée de regarder un film à la télé ou alors regarder un film en salle et pas sur les réseaux sociaux ou bien sur YouTube et autres. Mais je pense que c'est une question d'éducation aussi. Ça va venir avec le temps. Pour moi, personnellement, je ne pense pas que c'est un désavantage. Non, je pense que c'est à nous de cultiver les cinéphiles, à regarder nos films, que ce soit sur le digital, sur le numérique, ou alors que ce soit en salle ou sur un poste de télévision à la maison. Je pense que c'est très important pour les Camerounais de pouvoir s'allier aussi au monde. C'est le monde qui est en perpétuel changement et mouvement, et on doit avancer avec le monde. Aussi difficile que cela puisse paraître, Les web-séries, par exemple, c'est vrai, ne passent pas sur les chaînes locales. Oui, mais ça reste des web-séries, c'est web. Donc, c'est pour justement le côté web. Et c'est maintenant à nous de cultiver ou alors d'éduquer les populations dans ce sens-là. Sinaf, par exemple, fait beaucoup de communication, énormément de communication pour amener justement les gens à regarder ces films. Pour qu'on arrive à un niveau où les gens ne se posent plus la question de où est-ce que je peux regarder votre film? Où est-ce que je peux voir? Je reçois cette question tout le temps. Même encore sur les réseaux sociaux, les gens continuent de poser la question. Ce film dont tu parles là, je vais voir ça où? Donc, ce n'est pas assez. Je pense que la communication doit aller encore plus, doit être davantage plus matraquée sur les réseaux sociaux. Et même aller jusqu'à dans la rue et dans les villages. Je pense qu'on a besoin de ça. Beaucoup n'ont pas accès à Internet. Et donc, la communication qui est faite, qui se limite uniquement sur Internet, ne touche pas le Camerounais lambda qui est dans un village. Et comme ils sont focalisés sur la télé, peut-être serait temps d'aller à la télé faire cette communication-là aussi, sans que forcément ça les crée un conflit. Mais je crois que s'ils ont accès à cette plateforme-là, c'est important aussi pour nous d'aller dans ce sens-là, pour leur dire, tiens, si vous n'arrivez pas à regarder à la télé, vous avez la possibilité de le voir ici. Voilà les différentes possibilités de regarder les films camerounais. Beaucoup veulent regarder, mais n'ont pas cette possibilité-là, justement, parce qu'ils sont restés un peu dans ce côté traditionnaliste-là de la télé ou alors des salles de cinéma. Et on reconnaît aussi, on le sait tous, que les salles de cinéma ne diffusent pas beaucoup de films locaux. C'est vraiment aux avant-premières, comme ça, et après, pendant peut-être un ou deux mois, tu vas regarder un film camerounais en salle, mais après, plus rien. Ce n'est pas régulier comme les films internationaux qu'on regarde régulièrement en salle de cinéma. Donc, okay. Je ne pense pas que c'est un inconvénient. Je pense plutôt qu'il faut éduquer la population dans ce sens-là. Parce que le monde évolue comme ça et on ne peut pas s'en défaire. Mais aussi, je dis, c'est au final, même il y a des films qui ont été tournés en argentique. Comment on appelle ça? Argentrique ou bien... François, comment on appelle ça? Argentrique ou je ne sais pas trop? En argentique. Argentique, voilà. Il y a des films qui ont été tournés en argentique et d'autres en numérique.
Mais je pense qu'au final, comme a dit Françoise, au final, c'est le sujet qui est traité, comment ce sujet est traité. Parce qu'un film qui a été tourné en numérique peut aussi être gonflé, peut être passé en argentique. Donc, le monde évolue et en perpétuel. Ça n'empêche pas que demain on rentre encore. Donc, il faut évoluer avec le monde, tout simplement, je pense. OK. Merci, Lucie, pour ta réponse. Je pense que l'internaute qui nous suit a été édifié. Tu as été quand même exhaustive dans ta réponse. On peut aller à la question de Françoise. Bon, je vais répondre rapidement pour les sourds, messieurs. Il ne faut pas qu'ils disent que les femmes s'accaparent déjà la veille. Ouais. Je vais répondre à l'internaute. Je vous donne cette impression. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'inquiète... En fait, non, moi, je pense que le digital est très important. Hein, vous savez, moi, je ne pense pas. Par contre, l'anarchie que vous ressentez, vous savez, quand on prend chaque pays, on arrive à, après peut-être 10, 20, 15, 20 ans, à dire quelle est l'histoire du cinéma de ce pays. Que ce soit même Nollywood qui faisait plein de contenu, machin, machin. Aujourd'hui, on peut s'asseoir 10, 15 ans après Nollywood, dire voilà comment l'histoire de Nollywood et l'histoire du cinéma Nollywood. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, moi, je parle du Cameroun, hein, je n'ai pas trop envie d'étaler ça dans toute l'Afrique parce que je ne maîtrise pas ce qui se passe dans toute l'Afrique. Moi, ce que je ressens en tout cas, c'est que nous sommes tous, chacun dans son coin, à faire ce qu'on veut. Ça veut dire, le digital a fait quoi, en tout cas pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de connexion en réalité. Donc, chacun fait comme il pense que c'est bon, chacun fait comme il veut. Et puis, de tout ce qui nous importe, c'est que le public ait accès, que ça nous fait gagner de l'argent, ça nous fasse gagner de l'argent, etc., etc., etc. Mais quand ma fille, dans qui a 4 ans, elle aura peut-être 19 ans, disons dans 15 ans, et qu'elle me demandera, elle se posera la question de savoir qu'est-ce que c'est que le cinéma camerounais, qu'est-ce que je vais lui répondre? Vous savez, quand vous avez les films de nos pères, les Bassek Bakobio, les Dikongbe Pipa, les Jean-Pierre Bécolo, etc., on peut en faire une histoire de comment le premier film s'est fait, qu'est-ce qui a fait que le deuxième se fasse, qu'est-ce qui, est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire? C'est ça la grande question, parce que chacun fait tellement ce qu'il veut dans son coin que bah, quand on voudra dans 15 ans parler d'histoire, parce que les gens oublient souvent que l'histoire avec grand H est très important. Aujourd'hui, on veut nous prétendre que l'Afrique n'a pas d'histoire avant les colonies. Ça veut dire qu'avant la colonisation, il n'y avait pas d'histoire africaine. Alors que nous, on devrait faire des films qui dit non, avant que les colonies n'arrivent, il y avait une histoire précoloniale. Donc, en fait, c'est ça mon problème aujourd'hui. C'est oui, le digital, moi, j'ai aucun problème à ce que on ait accès à tout et que les qualités des productions s'améliorent, mais quelle histoire on raconte dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Quelle est l'histoire du... Quand si vous asseyez quelqu'un aujourd'hui, lui demandez quelle est l'histoire du cinéma camerounais, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Entre cinéastes, on regarde à peine les films des uns des autres. On ne sait pas ce que fait l'autre avant de faire le mien, alors que techniquement, quand on fait des films, parce que j'ai vu Aline, ben je vais aller écrire une histoire qui n'est pas Aline, mais qui m'a peut-être inspiré un petit peu, etc. Donc, on va pouvoir raconter une histoire du cinéma camerounais. Donc, moi, la grande question que j'ai envie de poser, c'est beau d'avoir tout ce public qui adhère, etc. Mais quand on va tous s'asseoir dans 30 ans, qu'est-ce qu'on va dire du cinéma camerounais? Quelle sera notre histoire? C'est ça la grande question. Si quelqu'un a une réponse à ça, moi, je n'ai pas de problème. Mais moi, c'est la grande question que ça me pose. OK, Françoise. Et vous voyez qu'il est clair, Françoise n'est pas contre le digital pour promouvoir le cinéma camerounais. Elle est juste pour que derrière, il y ait de l'archivage, il y ait de l'histoire, il y ait de la documentation, en fait, qui soit faite pour que derrière, tout ce qui est fait aujourd'hui puisse rester malgré le temps qui passe. Yvan, on peut passer la question, poser les questions des lions, cette fois-ci. OK. On va aller avec Roland. On comprend votre position du digital par rapport au 7e art, la propagation. Mais ceux qui n'ont pas toutes les applications que vous avez citées feront comment pour connaître les films dans leur propre pays? Pour Fabrice, vous êtes donc tous en train de dire que nous regardons le cinéma camerounais, celui qui est riche. OK, Rodrigue. Rodrigue, c'est vrai qu'on a perdu Rodrigue. Oui, on a perdu le micro. What's the question? Ma question, c'est quoi déjà?
On comprend votre position du digital par rapport au 7e art, la propagation. Mais ceux qui n'ont pas toutes les applications que vous avez citées feront comment pour connaître les films dans leur propre pays? Wow. C'est qui a posé la question déjà? Il y a un nom? Non, non, c'est pas... des internautes, en fait. C'est OK. Je pense que Sinaf, bon, on est au Cameroun, ça veut dire un peu... C'est qui? Parce que aussi, il faut savoir que c'est bien beau de parler digital, mais le digital, Camtel doit quand même de donner la connexion. Donc, il faut que les prix de Camtel déjà commencent à baisser. Ou Sinaf peut faire un partenariat avec Camtel, et je pense qu'on en a déjà en parlé, qui permet que... par exemple, si François fait un film, Lucie fait un film, tu peux regarder ce film sur Sinaf à un prix un peu plus bas parce que Camtel permet à subventionner ça. Je ne sais pas, mais je pense que c'est un truc à 360 et Vouri TV, Sinaf, tout ça, c'est des gens qui doivent, je pense, qui doivent s'attacher plus avec les télécoms pour permettre aux Camerounais de pouvoir consommer ces films-là un peu plus moins cher. Parce que l'internet, you know what I mean? It's not cheap, you know? Donc, okay. C'est tout ce que je veux dire. Je pense que ça, c'est une question pour Sinaf et Lionel, quoi. Pas moi. OK, Eva. Eva, tu peux, la question de Fabrice. Oui, je la repose. Ouais, vous êtes donc tous en train de dire que le cinéma camerounais n'est que regardé par celui qui est riche. OK. Bon, en fait, déjà, je veux rappeler à tous les internautes et à ceux qui nous regardent que le cinéma, ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fait pas avec de l'imagination. Ce n'est pas une caméra qui filme nos rêves et la diffuse. Non, ce sont des personnes qui se mettent, achètent du matériel et prennent de leur temps. Si une actrice comme Lucie Memba va prendre 2 mois pour tourner un film et qu'on doit utiliser des caméras de dernière génération pour proposer une image de qualité, et il y aura plein de scénaristes, d'autres acteurs et toute une chaîne comme ça là pour obtenir un truc de qualité comme aiment bien souvent exiger les internautes, il va bien falloir que quelqu'un paye pour ça. Parce que Lucie Memba, elle doit bien gagner sa vie. Nous sommes bien d'accord. Et toutes ces entreprises ou ces personnes qui ont investi en tant que producteurs, en tant que, je sais pas, distributeurs et tout, qui sont dans cette chaîne-là, ils sont en train de mener une activité économique, ils doivent bien gagner leur vie, ils doivent bien gagner sur leur investissement. Ça, c'est clair. Donc, ce que vous allez savoir, c'est que rien n'est gratuit. Si ce n'est pas vous qui payez, c'est quelqu'un d'autre qui paye pour vous. C'est ce que je vais déjà dire à tout le monde. Parce que la plupart des personnes ont tendance à croire que le fait de regarder un film à la télévision, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. C'est l'entreprise, c'est la chaîne de télévision qui a racheté le film au producteur. Le producteur ne lui donnera pas son film aussi gratuitement comme ça. Le cinéma ne prendra pas 2 mois de tournage où les producteurs ne mettront pas 20 millions, 100 millions d'investissements et partir partager ça aux internautes. Qui paie la facture après? Sinon, comment se fait le prochain film? Comment est-ce que vous espérez que le prochain film soit meilleur que le précédent? Ce n'est pas possible du tout. Et si je veux revenir dans le cadre du digital, si on va prendre une plateforme comme YouTube, tout le monde a librement accès au contenu, mais ce n'est pas gratuit. J'aimerais bien rappeler ça. YouTube fait ce qu'on appelle du AVOD, donc, c'est-à-dire les contenus, les vidéos sont payés à travers les spots publicitaires. Donc, à chaque fois que vous regardez un film ou une vidéo sur YouTube et qu'il y a un spot publicitaire qui passe là devant vous, ben, vous avez d'une certaine manière rémunéré la publicité parce qu'il y a des entreprises qui viennent sur la plateforme YouTube et sponsorisent à moyennant des frais, et ce n'est pas du tout des petits frais du tout, ces vidéos-là, cette publicité, je veux dire, et qui atteignent les internautes à travers les films, à travers les vidéos qui sont diffusées sur YouTube. Donc, ça, c'est juste une manière de vous faire voir que, en effet, même YouTube, qui est libre d'accès, n'est pas gratuit. N'est pas gratuit du tout.
Ben maintenant, je pense qu'il y a un problème de sensibilisation, je ne veux pas dire de rééducation de la population à notre niveau. Parce qu'à l'étranger, à la diaspora, c'est facile, c'est simple. Ils connaissent tous les Netflix, les Disney, et ils connaissent tous comment ça se passe dans le digital, comment ça se passe en ligne. Mais au pays, ce n'est pas vraiment la même chose. Et nous rencontrons pas mal de difficultés dans ce sens-là où des internautes viennent à nous traiter de malhonnêtes ou d'escrocs, tout simplement parce qu'ils ont acheté un abonnement. Au moment de regarder, ben, ça les a coupés de la connexion Internet. Et, mais ils se disent, OK, il faut faire un choix, Synap. C'est soit on paye la connexion Internet à Camtel et vous partez occuper là à Camtel. C'est soit nous, on vous paye l'abonnement, vous partez donner le cachet à Camtel. Mais Camtel et Synap, ce n'est pas la même entreprise. Ce n'est pas comme si à chaque fois que vous devez payer la connexion Internet et vous allez sur Facebook, Camtel va récupérer une partie de votre connexion, de votre forfait et aller remettre à l'entreprise Facebook. Ils ne se connaissent même pas. Je ne pense même pas que Camtel sait où se situe Facebook, où Lionel est si présent, connaît où sont les dirigeants de YouTube pour partir les payer à chaque fois qu'une personne utilise une connexion Camtel pour regarder une vidéo sur YouTube. Donc, tout ceci, ce n'est pas lié. Donc, faut-il être riche pour regarder pour accéder au cinéma, pas forcément, ça dépend du canal que vous utilisez. Regarder sur une télévision, ça ne va pas vous coûter grand-chose en dehors du fait d'avoir le câble pour regarder cette chaîne ou d'avoir la télévision elle-même qui est toujours un investissement. Regarder sur un téléphone, si vous voulez, vous pouvez arriver sur YouTube, vous regarderez. Nous aussi, nous avons une chaîne YouTube parce que nous faisons du SVOD, c'est-à-dire des abonnements mensuels. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes contre YouTube. Nous aussi, nous avons une chaîne YouTube et nous permettons aux producteurs de diffuser leur contenu et de gagner de l'argent à travers YouTube. Donc, que vous regardez sur YouTube, vous ne serez pas en train de payer parce qu'il y aura des publicités et des interruptions de ce genre qui vont rémunérer ce contenu-là. Ou alors, vous venez regarder sur Synap en payant votre abonnement et c'est cet argent-là qui est plus ou moins réparti directement aux différents producteurs. Ou encore, aller dans une salle de cinéma. Jusque-là, il faut toujours un agent. Il faut toujours payer les entrées. C'est clair. Voilà. C'est pas beaucoup, c'est quelqu'un qui paye, mais ça sera toujours payé. C'est clair, c'est clair. Je pense que Fabrice, tu as tout dit. Et il faut soutenir aussi le cinéma que nous voulons. Je veux dire que voir le film camerounais, ce n'est pas du bénévolat. Derrière, il y a toute une industrie qui se met en place, qu'il faut encourager et qu'il faut soutenir aussi. Je pense qu'aujourd'hui, si on est là, s'il y a ce débat aujourd'hui, c'est parce que derrière une dynamique, à laquelle où tous ensemble, on doit jouer notre partition, que ce soit des cinéastes, des plateformes de distribution, des opérateurs telco, et même vous, internautes, abonnés, cinéphiles, tout le monde doit jouer sa partition pour soutenir le cinéma camerounais. Yvan, on prend la dernière série de questions avant qu'on ne s'achemine vers la fin déjà du webinaire. Oui, la deuxième série de questions revient sur le site. Le casting peut-il être fait sur le digital? Comme tu en fais aujourd'hui, comment tu fais aujourd'hui avec les entretiens en ligne? Pour François, c'est quoi les standards d'un bon film africain? OK, Lucie. Je pense qu'on l'a perdu. On l'a perdu. C'est quand on passe à la question de Françoise, alors. Wow. Alors, c'est quoi les standards d'un bon film africain? Alors déjà, moi, je ne pense pas qu'il y a des films africains. Je pense qu'il y a des films d'Afrique. Parce que le cinéma camerounais n'est pas le cinéma sénégalais, n'est pas le cinéma burkinabé. On ne dit pas du cinéma français que c'est le cinéma européen, on l'appelle cinéma français. Juste ça. Ensuite, vous savez, pour moi, un bon film, c'est une bonne histoire. Et encore une bonne histoire. Et une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire. C'est tout. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas de standard de qualité d'un bon film africain. Il y a de bonnes histoires qu'on raconte. Et si quand vous regardez un film, vous arrivez à apprécier ce film, à vous connecter, à vous identifier, comme on dit. Je pense que c'est vous-même qui nous jugez, en fait. C'est vous qui nous dites si on a fait un bon film ou pas. Ce n'est pas moi qui sais si j'ai fait un bon film. Je sais que j'ai fait un bon film quand le public adhère à mon film, vous savez. En scénario, moi, je suis...
quand j'apprenais le scénario, j'ai appris avec, j'ai commencé par lire un livre qui s'appelle L'écriture des scénarios de Jean-Marie Roth. Et il y a une phrase à l'intérieur qu'il a dite, et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous répondre. Il a dit, quand on vous demandera à qui est destiné votre film, répondez toujours à ceux qui aimeront mon film. Je ne destine mes films qu'à ceux qui vont les aimer. Et c'est très logique. Voilà, donc madame ou monsieur qui a posé la question, en réalité, c'est vous qui me dites si j'ai fait un bon film ou pas, selon votre opinion, selon votre vision. Voilà. OK. Merci, Françoise. À la fin de la journée, c'est vous, cinéphile, qui êtes le seul juge de la qualité de l'œuvre qui vous est présentée. Donc, n'hésitez pas à donner les commentaires, donner les avis, des critiques positives. C'est ça qui contribue à construire l'industrie que nous voulons aujourd'hui. Yvan, question pour Fabrice et Rodrigue. Okay. D'accord. Pour Fabrice, le digital dans le cinéma, vous visez plus la diaspora. Pourtant, c'est ceux du pays qui sont vos plus grands cinéphiles. Comment équilibrer cela? Pour Rodrigue, le digital est bénéfique pour les acteurs et producteurs. Mais qu'en est-il des cinéphiles? OK, Fabrice. OK. Ben, en effet, contrairement à ce que vont passer la plupart de personnes, nous ne visons pas plus la diaspora. Nous sommes conscients que le pays, c'est le futur, c'est l'avenir. C'est pour le pays que nous construisons, tout ce que nous construisons aujourd'hui. Raison pour laquelle vous allez trouver déjà des petits éléments de réponse à travers nos actions, même au niveau technique. Vous allez constater que nous avons créé une plateforme pensée pour être utilisée au Cameroun et par les Camerounais. C'est par rapport aux différentes plaintes, aux différentes critiques que nous avons chaque jour que nos ingénieurs se démettent à pouvoir trouver des solutions pratiques pour résoudre ces différents problèmes. Je vais prendre un exemple simple. La connexion sur Synapse, quand vous voulez vous connecter sur Synapse, la connexion sur Synapse s'est faite en un clic, c'est-à-dire à travers, vous choisissez juste si vous faites une connexion, une authentification par Google, par votre compte Google, par votre compte Facebook ou alors par votre compte iCloud. Ça, c'est très prochainement. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment un mode ou un choix technique qui est spécialement taillé pour le public camerounais, car nous avons un énorme souci. Il s'agit encore au Cameroun de faire des efforts dans la sensibilisation, car nous avons beaucoup de personnes qui se plaignent, comme j'ai dit précédemment, des personnes qui se plaignent déjà du fait que en regardant des films, ça consomme les connexions Internet et on va les rappeler que mais c'est normal parce que le film n'est pas dans votre téléphone, donc c'est bien situé sur un serveur quelque part et vous devez le regarder. Donc vous voyez qu'il y a déjà cet énorme souci de sensibilisation et raison pour laquelle nous battons chaque jour pour voilà, sensibiliser déjà les gens sur le digital, sensibiliser les gens sur le VOD, faire comprendre aux gens que ce n'est que normal en fait s'ils doivent payer un abonnement pour regarder un film. Voilà, ça fait beaucoup de travail dans ce sens-là. Et nous nous battons chaque jour pour ça. Nous mettons énormément d'énergie, énormément de financement pour que tous ces internautes comprennent. Car pour nous, l'avenir, c'est le pays. Voilà, si on a bâti cette plateforme qui contient aujourd'hui essentiellement des contenus camerounais, c'est bien pour les Camerounais. Et où se trouvent les Camerounais? Au Cameroun, il y en a plus de 20 millions. Donc, c'est bien notre marché, c'est le futur du marché, c'est notre marché futur, bien que présentement, ce n'est pas vraiment accessible. Vous allez constater, c'est déjà même au cours des abonnements chez nous qui sont à 1500 francs au pays, mais ce n'est pas pareil à la diaspora. Pourquoi? Parce que on tient compte du pouvoir d'achat d'un Camerounais qui ne pourrait pas facilement dépasser. Voilà, pour juste regarder du cinéma. Et je vais faire une parallèle sur notre historique, parce que nous commençons vraiment la VOD à travers ce qu'on appelle du TVOD, c'est-à-dire sur notre plateforme, auparavant, il y a un an de cela, chaque film était acheté individuellement. Si vous voulez regarder, par exemple, Aline, vous achetez, vous dépensez, vous déboursez, par exemple, 2 euros, 5 euros ou un truc du genre pour accéder uniquement à ce film et pas à un autre film. Ben, nous avons très vite compris que ce système n'était pas faisable du tout ou alors ça ne répondait pas vraiment à notre éthique, à notre philosophie, qui est surtout de rendre le cinéma camerounais plus accessible.
Voilà, ça créait une sorte de bataille, je vais dire, à l'intérieur de notre plateforme. Les films étaient en compétition. Or, ce n'est pas ça. Le cinéma, c'est censé fusionner. Les films sont censés fusionner pour donner une très belle image au Cameroun en général. Vous deviez peut-être avoir là, comme ça, là, une série d'Ebenezer Kopombia et une série d'un autre producteur qui n'est pas très connu. Et à chaque fois, si un internet arrivait sur la plateforme avec ses 5 euros ou avec ses 1000 francs au Cameroun, ben, il devait décider quel film il regarde. Et vous voyez, ça posait problème. À chaque fois, c'était le même film qui devait être sélectionné. Comme ça, il y avait des producteurs qui pouvaient faire énormément de chiffres sur notre plateforme, tandis qu'il y avait des producteurs qui ne faisaient carrément pas de chiffres et vraiment pas de chiffres. Et voilà, voyant tout ceci, nous avons compris que nous n'étions pas en train d'aider. Même si nous rendions déjà le cinéma assez accessible, c'était déjà très coûteux, parce que pour regarder tous les films de la plateforme, ça revenait énormément cher. C'était très coûteux et ce n'était pas aussi avantageux pour les différents producteurs, parce que ça créait une sorte de compétition. Et nous, sachant que si nous voulons un cinéma camerounais plus grand, ce qui implique plus de contenu, il faut aussi que même le plus petit des producteurs, celui qui a moins de moyens financiers, puisse recevoir quelque chose pour son œuvre, pour pouvoir produire quelque chose, pour pouvoir produire demain un truc peut-être plus correct ou ne serait-ce que produire même la même qualité. Vous voyez, sinon ça tuerait plutôt de l'activité. Raison pour laquelle nous sommes passés plutôt au SVOD, où nous prenons sur nous de négocier directement avec les producteurs, ça crée une sorte d'équilibre. Voilà, nous prenons sur nous de négocier directement avec les producteurs et de payer leur contenu à l'avance, quitte à courir le risque nous-mêmes de les rentabiliser sur notre plateforme. Ben, voilà, et partant du fond propre, vous comprenez que ça devient un peu compliqué tout ça. Ok, Fabrice, ouais, je pense que c'est clair. CINAF n'est pas là que pour la diaspora, elle est là pour tout le Cameroun. Et le Camerounais, c'est au Cameroun et aussi la diaspora. Et qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un bébé qui vient de naître, qui est en train de grandir. Et je pense qu'il a annoncé tout à l'heure qu'il y aura 37 films, 37 séries qu'ils auront produites pour le Cameroun et pour tout le monde. Donc, merci pour ton notification. La dernière question, c'était pour Rodrigue. Bon, avant, je ne sais pas, la question c'était, le cinéma, il est profitable pour les acteurs et les promoteurs. Qu'est-ce que c'est de l'audience? Qu'est-ce que l'on est pour les cinéphiles? Bon, je pense que si les acteurs et les promoteurs ne créent pas toute cette plateforme-là, le cinéphile ne va pas vraiment savoir où se diriger pour voir un film. Donc, c'est un peu à... Comment je vais dire ça? C'est un peu comme Françoise disait tout à l'heure, que si tu veux voir mon film, trouve ceux qui ont besoin de voir mon film. Si tu aimes le cinéma, si tu veux voir les films camerounais, connecte-toi sur le film camerounais, sur Cinécamère, sur CINAF. Abonne-toi à toutes les plateformes là où tu es capable d'être informé, même déjà de ce qui se passe. Et Je ne sais pas, Françoise ne va pas acheter un billboard, elle va mettre ça en plein poste central, ou CINAF ne va pas faire la même chose. Mais ils peuvent... Moi, je suis abonné au film camerounais et CINAF sur Facebook. Et tout ça, c'est en cherchant personnellement. C'est pas comme si... Je ne sais pas. You know? Si tu veux, tu peux. Et je pense que ça contribue en faisant que le spectateur, l'audience peut avoir plus d'opportunités à voir les films camerounais. Parce que CINAF, c'est la seule plateforme qui va montrer 37 films camerounais. You know, Netflix, je ne pense pas qu'on est à un niveau où Netflix va prendre 35 films camerounais. Peut-être un ou deux ou trois, mais pas 35. Donc, abonnez-vous à CINAF, abonnez-vous au film camerounais, abonnez-vous à Cinécamère, abonnez-vous à toutes les plateformes que vous pouvez imaginer. Regardez les courts-métrages YouTube, je ne sais pas trop quoi, mais je pense que ça ne bénéficie que à tout le monde. Vas-y, Françoise, pardon. Vas-y.
Franchement, okay. j'ai envie de te soutenir là, Rodrigue, parce que je dis toujours aux gens, Google, ça ne sert pas juste à chercher des paires de baskets, quoi. Exactement. Je veux dire, quand vous avez envie de votre make-up, vous savez très bien où le trouver. Où aller? Mais vous savez où le trouver. Quand vous voulez votre dernier chapeau, dernier cri, là, vous savez où le trouver. Alors, exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, pour savoir si on peut aimer. Oui, Françoise, vas-y. Vous prétendez que vous n'attendez pas autre femme. Regarde ce que dit. Pardon, ce que je vais juste dire en dernier. Quand il faut écouter des débats personnels de chanteurs, de chanteuses, tout le monde a les mégas pour les regarder pendant 2 heures de temps, discuter de comment l'autre l'a trompé, l'autre avec machin. Mais alors, quand il faut prendre les mêmes mégas pour aller regarder des films. On veut que Sinaf aille payer Camtel et que Camtel, bref. Franchement, à un moment donné, je veux dire, respectons-nous aussi un petit peu, quoi. Ne nous prenez pas pour ce qu'on n'est pas. Je veux dire, on sait très bien que vous savez où trouver tout ce dont vous avez besoin. Si vous aimez le cinéma, évidemment que nous, on doit communiquer. On a notre responsabilité, on a notre part de responsabilité qui est la communication. Qui est rendre accessible les choses, mais voilà, si vous aimez, par exemple, les grandes marques, quand vous avez votre sac Chanel, là, ça vous dérange pas de mettre 150 000 dans les greffes, alors pourquoi ça vous gêne tant de mettre 150 000 dans un chien? Ah ouais, enfin, je veux dire, on aime ou on n'aime pas, non, je suis désolée, mais c'est juste pour... 1500, soyons honnêtes les uns vis-à-vis des autres. Soyons honnêtes, quoi. Ce que je voulais rajouter pour clore cette question-là, c'est que derrière, c'est le cinéphile qui connaît ses goûts. S'il aime les films de fiction, les films d'action, les films romantiques, et il sait si aujourd'hui les films camerounais proposent du contenu qui répond à ces différents types de films-là, qu'il fasse la recherche. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui se mettent en place pour accompagner cet écosystème-là. Et comme je le disais tantôt, ce n'est pas l'apanage des producteurs, des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs, des propriétaires de plateformes ou des opérateurs telco. C'est ensemble, même vous les cinéphiles, vous faites partie de l'écosystème qui devait contribuer à aider à construire cette industrie que nous voulons tous. Le Made in Cameroun, c'est une affaire de tous d'abord. Nous sommes arrivés au terme de... Si je peux dire quelque chose. Je vais passer la parole. Nous sommes arrivés au terme de l'acte 19 du Camtel Digital Talk. Avant de clôturer, je vais passer la parole un des tout table à chacun des panélistes qui est encore connecté pour qu'il donne son point de vue sur le webinaire et sur les perspectives. Je commencerai donc par Rodrigue, qui avait quelque chose à dire. Ok. Je voulais dire par rapport à Fabrice, qui disaient qu'ils ont plein de séries à faire. Voilà Françoise qui est là, par exemple. Je pense Françoise, elle a pu bousculer assez pour créer une place d'autorité dans le cinéma camerounais. En tant que femme, déjà, ce qui n'est pas évident. Et aussi en tant que professionnelle. Et je pense que, par exemple, si je peux proposer que pour un de vos films, si elle peut prendre son audience, donc, vous travaillez avec elle, par exemple, qu'elle prenne son audience et qu'elle ramène ça sur votre plateforme. Ça vous ajoute un plus. Et ça fait que les gens commencent à... Comment je vais dire ça? Les professionnels commencent à laisser les professionnels faire leur boulot, quoi. Au lieu que François se retrouve à devoir distribuer son film au Cameroun, Sinaf peut s'en occuper, par exemple. Au lieu que Sinaf se mette à courir après les réalisateurs et les producteurs, laissez les producteurs et les réalisateurs s'en occuper. Lucie, par exemple, c'est une productrice. Je pense, Françoise, même c'est une productrice. Je ne pense pas qu'elle ne peut pas réaliser un film et accompagner quelqu'un dans une production, quoi. Donc, jouer plusieurs rôles à la fois. C'est pour ça que j'évite de dire que je suis réalisateur ou écrivain ou cadreur ou monteur. Parce qu'à la fin de la journée, on est dans un environnement neutre. Ça veut dire qu'on a beaucoup à faire. Et je pense que Cinéaste décrit un peu plus mieux ce que je...
comment je pense. Je pense que je peux prendre une caméra, je sors, je filme seul. Ça, ça me donne l'empowerment. You know what I mean? Peut-être l'acteur ne va pas bien jouer comme je voulais parce que je m'occupais de la lumière, mais ça permet que je peux jouer plusieurs rôles à la fois, ne pas rester focalisé quand les moyens sont bas. Mais si on a les moyens, je ne vois pas pourquoi Françoise ne va pas être mon producteur. Au contraire, j'ai même confiance parce que je sais qu'elle a déjà traversé ces étapes-là et elle peut négocier avec l'environnement pour que le projet aboutisse. Donc, je pense que ces trucs comme ça, François, si toi-même tu peux organiser ça, si le film camerounais de temps en temps, que l'industrie commence à s'entremêler, se parler, communiquer. Et je pense même l'écriture de scénario, par exemple, juste que tu envoies ton script à quelqu'un qu'il puisse lire. Quelqu'un que tu as confiance, il lit, tu envoies à l'autre, il lit, peut-être il envoie les suggestions, si ça te plaît, t'écris. Ça fait que les histoires deviennent plus fortes et que les films ne se font pas seuls dans nos coins. Et je pense que c'est là notre vrai problème à ce moment-ci. C'est qu'on doit, on doit network. Ok, merci Audric. Ton mot de la fin, c'est vraiment de mettre le monde en réseau. Parce que chacun a sa force. Voilà, c'est ça. Chacun peut contribuer à bâtir cette industrie-là. Merci à toi d'avoir été présent à ce webinaire. Françoise, ton mot de la fin. Mais mon cher Rodrigue, j'ai déjà créé LFC. LFC Awards. Je veux dire, j'ai déjà créé tellement de plateformes pour justement nous réunir. Moi, je n'écris pas seul. Hein. Faut pas vous dire. Moi, je n'écris pas seule. Quand j'écris pour justement améliorer mon scénario, non, je ne suis pas seule dans mon coin. Moi, je suis pour les synergies. Je suis très d'accord avec Audrey. Je suis pour les synergies. Mon dernier mot, c'est écoutez, quand ce webinaire a commencé, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Parce que, de plus en plus, c'est avec intérêt qu'on a recommencé à me revoir un peu sur les plateformes, enfin, à parler. Vous savez, même à la télé, je ne fais presque plus d'interviews. Parce que au jour d'aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui me tient à moi à cœur, c'est qu'on rétablisse les choses en disant que c'est les acteurs qu'on voit dans un film, c'est de la scène. Donc, quand il faut promouvoir le film, quand il faut mettre des gens en avant, quand il faut que le film aille en Allemagne, au Sénégal, au Burkina, il faut envoyer les acteurs. Les réalisateurs, là, restez à la maison, vous travaillez les prochains films, pardon. Donc, vraiment, merci Lionel. Vraiment, ça a été une belle surprise pour moi d'échanger. Je découvre Fabrice. Vraiment, j'adore l'écouter parler. Enfin, Fabrice, cette façon de parler, on a envie de... Même si tu nous racontes des petits, on a envie de t'écouter. Hein. C'est un atout. Et vraiment, moi, j'ai découvert des gens vraiment intéressants. Rodrigue, j'adorerais qu'on continue à échanger en aparté. Lucie, je la connais déjà très bien. Je partagerai. Et Sinaf, pourquoi vous n'êtes pas partenaire de LFC Awards? Je crois que j'ai déjà tenté le coup. Ça a commencé, ça s'est perdu en chemin. Pourquoi vous n'êtes pas partenaire? Je veux dire, mes premiers partenaires doivent être des gens de l'industrie. Pourquoi vous laissez des entreprises venir s'asseoir et tout? Moi, je suis pour qu'on ait des synergies. Si Camtel, venez aussi chez LFC. Si Camtel vient chez LFC Awards, nous, on veut créer des synergies. On veut faire en sorte que peut-être que Sinaf et Camtel vont trouver le moyen de travailler ensemble. Vous voyez? Exactement. Créons ces synergies-là. Donc voilà, merci pour tout. J'ai passé un excellent moment avec vous. Et merci beaucoup. Merci. Et bon vent à la suite des webinaires. Ok, merci Françoise. De toute façon, l'objectif est certes d'édifier, mais derrière, c'est de créer un réseau. Un réseau derrière d'acteurs qui impactent au niveau digital. Et on continuera. La connexion va se faire déjà entre vous et Sinaf. Et on continuera à travailler tous ensemble sur ce qu'on pourra faire demain. Donc, voilà. Fabrice, ton mot de la fin? Ouais, Lionel, en effet, je remercie déjà Camtel à travers toi d'avoir organisé, d'avoir pensé à ça, parce que ça, c'est déjà très important pour rien que le réseau qui pourrait naître de tout ceci.
Et ça permet aussi de voir que avec tout ce que nous fournissons comme énergie, comme effort, chaque jour pour faire avancer les choses, il y a aussi d'autres personnes, il y a chaque personne de son côté qui fait plus ou moins la même chose. Et dans l'ensemble, on ne le voit pas directement comme ça là, mais voilà, les choses avancent sur plusieurs angles, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, l'impact du digital dans le cinéma, je pense que c'est n'est que le début. Voilà, même si NAFAS va prendre les choses en main pour que ça aille bien plus loin, nous sommes en train de travailler énormément au niveau structurel pour créer tout un écosystème, parce qu'il ne s'agit pas seulement des acteurs du cinéma là comme ça, mais il s'agit de tout le monde. Vous avez dit le mai de 237, c'est l'affaire de tout le monde, et c'est d'où nous voulons venir, c'est d'impliquer réussir à impliquer tout le monde dans nos productions, dans ce que nous faisons, voilà, à travers déjà notre plateforme d'investissement qui est née carrément pour pouvoir servir le cinéma. Nous avons financé des projets tels que Ali, nous avons financer des projets tels que Madame et Monsieur, avec un financement participatif, ça à travers le digital. C'est aussi des impacts comme ça que le digital peut avoir sur le cinéma. Voilà, c'est pas très direct, mais ça profite au cinéma. Il y a énormément de personnes, il y a des personnes en France, des personnes en Angleterre, des personnes en Russie qui ont pu investir dans Madame et Monsieur. Il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié la série. Et c'est aussi à travers la contribution de ces gens-là. Donc, nous avons aussi à cœur de rendre les cinéphiles des acteurs actifs de ce cinéma et pas que des passifs pour pouvoir. Ils ne vont pas juste rester là à donner des commentaires ou tout. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, ils pourront réellement, directement impacter dans le secteur. Raison pour laquelle nous lançons des projets comme le projet 37 qui a pour ambition de produire 37 films, 37 séries et faire sans préfinancement. Voilà, ceci sera basé sur le financement participatif et ça sera rentabilisé entièrement sur le digital. Ou sinon, c'est ça l'objectif, c'est ça le challenge. Et nous sommes en train de mettre vraiment tout sur pied pour que voilà, les choses se passent bien. On a créé un Cinef Studio pour pouvoir vraiment faire de la production, mais ce de manière professionnelle. En tout cas, bien plus que ça se faisait déjà ici. Donc, merci encore pour ce talk et vraiment, je souhaite que vous essayez d'impacter comme ça là, pas que dans le cinéma, mais aussi dans les différents cœurs de métier afin de pouvoir voilà, faire bousculer les choses. Ok, merci. Merci à toi, Fabrice. Merci à tous qui nous ont suivis. C'était la 19e édition du Comtech Digital Talk. On se revoit le mois prochain. Bonne soirée à tous.